Grande joie des chauffeurs de taxi compteurs de Côte d'Ivoire, le vendredi 28 décembre dernier, ils bénéficient désormais d'une couverture d'assurance individuelle accident. L'assurance n'a pas de prix. Aujourd'hui, c'était un élément pour nous de lutter contre la pauvreté. Une assurance qui va nous permettre de bien travailler et de transporter nos passagers dans les meilleures conditions. Parce que c'est du jamais vu. Nous avons lutté pendant plusieurs années et aujourd'hui, cette convention nous réjouit. L'initiateur du projet, Touré Adama, président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Pour lui, ce partenariat avec l'assureur va permettre de corriger l'injustice faite aux chauffeurs depuis une décennie. En cas d'accident dans le transport public de voyageurs et de personnes de marchandises, la marchandise est prise en compte par les assurances. Les passagers sont pris en compte par les assurances. Mais celui qui conduit le véhicule n'est pas pris en compte par les assurances. C'est une injustice. J'ai vu des conducteurs à la gare routière d'Adjamé mourir devant des kiosques parce qu'ils n'ont pas 10 000 francs pour aller à l'hôpital, 5 000 francs pour aller à l'hôpital. Des gens de pauvreté doivent être rapidement rattrapés. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Buon, s'est réjoui de cette opportunité qui est un appel, selon lui, à l'endroit du gouvernement. On a souvent décrié le racket dans lequel vous payez peut-être 100 fois la prime d'assurance ou du matériel neuf. C'est quelque chose que l'on vous reprend, qui grève la compétitivité du secteur transport. La couverture d'assurance individuelle accident est un moyen pour les chauffeurs ivoiriens de garantir la sécurité en cas d'accident et d'assurer un avenir meilleur pour leur famille.